Attends, Kevin. Attends, non, chez Reliance pour la formation. Ok. Je m'appelle Kevin, je suis étudiant dans la formation GEA en ressources humaines et je suis alternant chez Reliance en tant que juriste de droit social. Le premier conseil que je peux vous apporter, c'est vraiment de vous approprier votre propre rythme d'alternance, et bien tout simplement parce que c'est votre agenda à venir pour votre année d'alternance. Moi par exemple, ce que je fais, et ce que j'aime beaucoup faire, c'est de repérer les périodes d'examen qui vont tomber à la fin de l'année par exemple, ou en cours d'année, et de structurer mon activité en parlant évidemment avec ma tutrice pour organiser mon activité en fonction de ça. Le deuxième conseil que je peux vous apporter, c'est vraiment de profiter des différents dispositifs qui sont présents au sein de votre structure. Moi, chez Reliance, j'ai l'opportunité de profiter jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine et de plages horaires variables, ce qui me permet de construire et réguler mon activité tout au long de la semaine. Par exemple, si j'ai une période d'examen sur la semaine qui suit, eh ben, je peux commencer mes journées plus tôt, entre 8h et 8h30, et terminer vers 16h30, 17h. Gérer son temps de travail, pour moi, ça passe vraiment par l'organisation et l'anticipation. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est bloquer du temps dans mon agenda pour avancer sur des missions, sur des projets un peu plus longs, des tâches de fond, par exemple, pour vraiment me mettre corps et âme dans ma mission. La deuxième chose que j'aime beaucoup faire, c'est préparer un compte-rendu, une rétrospective de mes différentes missions, de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, avant de retourner à l'école. Et ça passe pour un temps d'échange avec ma tutrice, qui est fixé dans mon agenda. Mais si vous n'avez pas l'occasion de le faire, je vous invite à faire un mail, ça coûte rien et ça permet vraiment de donner un maximum de visibilité aussi bien à vous-même de vos missions qu'à votre tuteur, tutrice, à vos retours d'école pour savoir eh bien, ce qu'il vous reste à faire. Développer ses compétences, pour moi, ça passe vraiment par la curiosité et avoir cette envie d'apprendre. Par exemple, le tuteur, c'est un très bon référent pour avoir des feedbacks, par exemple, aller savoir sur quel point vous êtes à l'aise, sur quel point vous êtes un peu penchant. C'est aussi l'idée de pouvoir construire des compétences grâce à son tuteur, mais grâce aussi à vous-même. L'idée, c'est aussi de se responsabiliser et d'aller enrichir vous-même votre profil en tant que jeune alternant. Pour ça, je vous conseille de faire comme mes collègues le font, d'aller se former par exemple sur 1 ou 2 heures dans la journée sur des webinaires ou des plateformes d'e-learning. Ça coûte rien et ça prend juste 1 à 2 heures dans la journée. Et également, ça peut paraître assez simple, mais profitez vraiment des périodes d'école. C'est aussi l'opportunité pour vous de vous recentrer sur vos missions, de lever un peu la tête de ce que vous faites en entreprise, de profiter aussi de vos amis entre 2 ou 3 partiels, et puis tout simplement mûrir votre projet professionnel. Intégrer une équipe, pour moi, il n'y a vraiment pas de secret. C'est sincèrement aller discuter avec vos collègues, que ce soit entre 2 réunions, un peu moins pendant les réunions, mais profiter de ces temps off aussi, de ces moments informels, entre la pause du déjeuner, par exemple, le midi, et bien, allez discuter, allez vous ouvrir, parce que c'est aussi important pour vous d'apprendre à les connaître, mais aussi pour eux d'apprendre à vous connaître pour bien travailler ensemble. Et petit tips, en tant qu'alternant RH, l'alternance, c'est l'occasion de se créer un réseau professionnel.